Bonjour à vous et bienvenue dans ce Ponce la nuit numéro 8737. Déjà, très content de vous retrouver, c'est le premier Ponce la nuit de cette année 2020. Avec le carton. Salut mec. Ça va mec? Ça va et toi? Ouais, ça va. Oui. Salut. Très bonjour. Content mec d'être avec toi, c'est cool. Bah ouais, ça fait plaisir. Enchanté. Enchanté. Merci. T'enchaînes les émissions hier soir, ce soir. Ce soir, j'ai l'impression d'être sur le divan en fait. Sur le divan mec, c'est moi qui t'invite. Putain. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on boit? Alors déjà, qu'est-ce que... L'alcoolo. Tous les trucs que je fais, c'est que des... Non mais ça tient à faire. Mais j'ai un peu faim. Juste entrée, plat, dessert, peut-être pas, tu vois. C'est comme tu veux, c'est... Mec, c'est énorme, c'était l'invité. Je me suis jamais senti aussi accueilli, quoi. C'est énorme. Putain. Après, peut-être que comme j'ai moins faim, je vais peut-être me faire un plat. Et si j'ai faim, je fais un dessert, tu vois. Parce que si je fais entrée plat et que j'ai plus faim à l'entrée... Bah, pas de dessert, c'est pas grave. Hein? Bah, tu prendras pas de dessert. Ah, ouais, mais si du coup, tu captes le plat. Mec, à mon avis, c'est pas des entrées en mode... Non, mec, je vais te vomir dessus. Voilà, tu vas comprendre. Ok, non mais fais ton truc, t'inquiète, y'a pas de soucis. Non mais c'est cool qu'on partage à ce point. C'est... Quand tu commences à avoir copine, quand tu veux revenir un peu sur des relations sociales plus normales où tu rechoppes des potes, enfin pas tu rechoppes des potes, putain. Ah le mec, quoi. D'accord, ah, mais ok. Vous m'entendez? Je suis désolé. Tu m'entends toi en face? Non. Si, non, mais dites-nous. Je suis désolé, hein. J'ai vraiment une voix cassée de ouf. Et en fait, je me suis retrouvé donc chez l'habitante, chez une vieille. C'était infernal, cette petite maison anglaise et tout. Elle devait avoir 80 ans, 80 ans, et ça. 80 ans. Parce qu'il y a 80. Ouais, 20 ans. Il y en a 4. Allez. Non, mais en vrai, non, vraie question, parce que c'est aussi important la culture. On dit 80 ans. Non, on dit 80 ans. C'est sûr. Parce qu'en fait, c'est 80. 78 ans. Il y a 80. Donc, Zan. Pardon. Aïe. Tu sais, déjà, la bouffe anglaise, c'est pas ouf. Elle me faisait des pailles, là. Tu sais, genre les trucs. Tu sais, c'est un peu des tourtes. C'est très anglais, c'est dégueulasse. Et genre, en fait, elle sentait le cul. Mais c'était horrible. Non, c'est horrible. C'était quelque chose que je. Tu me rappelles après entendre ça. Ah, mec, c'était infernal. Non, mais c'est-à-dire. Mais genre. Excusez-nous. Non, mais la vie. J'étais pas du tout pressé. Enfin, ouais, elle sent le. Mais c'est peut-être. Ah, vraiment? Ouais, elle pas la merde, mais. Enfin, tu vois, genre un mix, quoi. T'es charbonné. Merci. Oh, c'est propre là-dessus. Merci. Mais en plus, moi, j'ai vécu. Merci beaucoup. Ananas, j'aime bien. Genre pizza ananas? J'adore. Salut. Bon, bah, bon appart. C'est vrai, ouais, comme c'est trop bon, mec. Putain, la merde, super. Moi, je suis le défaut. Okay. Je suis le grand défenseur de cette team. Après, j'avais demandé à ma mère d'apprendre à lire, compter et tout, donc je suis arrivé en CP et je savais faire. Donc, t'avais demandé à ta mère? Ouais. Ah ouais, toi, t'avais demandé à ta mère? Bon, c'est ce qu'elle me dit. Après, ça fait un peu pompeux de... Ouais, bah, à 4 ans... J'ai demandé à ma mère, en fait, de lire tout 3 bouquins. Non, mais on parlait un peu de Nietzsche. Et bon, là, je lui ai dit, j'ai besoin de comprendre plus, quoi. Il me faut du latin, maman. Comment je pourrais comprendre tout ça, sinon... En fait, quand j'étais au primaire, j'étais genre... j'étais un archi-gosse, genre... Tu chopais des nanas. Bah, pas chopais, parce que... Mais on s'entend, oui, mais genre, t'avais des amoureuses, quoi. Elles étaient amoureuses de moi, de ouf. Et genre, du coup, j'ai fait ça, j'ai sauté... Typère. Non, mais de ouf. Non, parce que quand j'étais petit, j'étais genre... j'avais des grosses joues, et j'étais genre... Et j'étais chou, quoi, je pense. Et je suis arrivé, donc, du coup, en 6e, à 9 ans, frérot... Oh, l'enfer. La traversée du désert. Et toute ma vie, je me suis dit, putain, mais j'ai le seum, parce qu'en fait, j'étais beau en primaire. J'ai loupé mon truc, et c'était en primaire, et ensuite, bah, les meufs, elles ont 2 ans de plus que toi, tu t'habilles en pantalon, en vélo, salut. Les meufs, elles grandissent plus vite. Ah ouais, mais genre une meuf en 5e, mais mec, il y a encore peut-être 4-5 ans, on aurait dit que je faisais genre 10 ans de moins, quoi, tu vois, genre facilement, genre, j'ai toujours fait 6-7 ans de moins, tu vois, genre, non, mais mec, 6-7 ans de moins, ça veut dire que 16 ans, tu faisais 10 ans. Attends, je vais te montrer. Si t'as des photos, je suis chaud. 24. Là, j'étais en terminale. Quoi? Là, ah non, en terminale. Non, alors là, faut que tu montres. Si tu veux cacher, Tu te tapes toujours un peu, tu sais, quand t'es au collège et tout, t'as des petites embrouilles, rien de grave, tu vois.
j'étais hyper heureux de pouvoir niquer un mec. Il y a un mec que je pouvais niquer, tu vois, c'était le gars qui me sécurisait. Non mais c'est horrible, tu vois, mais qui était normal, hein. Il avait pas de soucis, genre. Mais lui, tu le baisais, quoi. Hospitalisé toute l'année quand il revenait. Non, je rigole. Non, voilà. Il était une semaine par an en cours, c'était ma semaine. Non, je rigole. Non, il était normal. Non mais ouais, sinon... mais j'étais pas une vicose, tu vois, mais j'étais pas le plus populaire et j'étais... Ouais, j'essayais de suivre, tu sais, j'étais un peu un mouton, quoi, tu vois. Moi, je peux te dire, en CE1, j'avais 8 amoureuses en même temps. Putain, t'es boss, c'est quoi? Et j'ai souvenir d'un truc, c'est qu'une fois, je suis allé chez le coiffeur, donc on m'a coupé les cheveux, c'est le principe, et je suis revenu, et il y a une des amoureuses, Mathilde, si tu me regardes, Mathilde, qui a dit, je t'aime plus, devant tout le monde, il y avait des 8 autour de moi, et Mathilde, elle s'écartait. Les autres, t'as quoi, les autres? Moi, je t'aime. Oh, c'est beau. Okay. Ah ouais, t'as eu cette validation derrière quand même, c'est pas mal. Ouais, j'étais content. Mais après, le truc, c'est que moi, j'ai pas grandi. Et arrivé en 6ème, je faisais 1m36. Donc, si tu veux, moi, c'était terminé. Ok. C'était terminé. Lourd le primaire. C'est lourd, de ouf. Et genre, ta soeur, par exemple, elle avait sauté des classes. Là, c'était une classe. Ah ouais, aussi. Ouais. C'est une famille de surdoués là-dessus. On est là pour. On enchaîne. Boum. Petit à petit, j'ai été moins brillant au collège. Enfin, t'es genre en cours et tout. Et j'ai commencé un peu à faire le con, mais c'était même pas décidé, tu vois. C'est juste que je m'amusais aussi. Et ce qui a fait que j'ai eu un peu une popularité à l'époque, les gens m'appelaient, et moi j'ai été populaire, mais tu sais, un peu comme pas un ovni, mais un peu une mascotte, tu vois ce que je veux dire, genre les gens m'appelaient PAB. Ah, mais il a fait quoi, PAB? Ah ouais, mais toi, au collège? Ouais, je me suis fait virer en quatrième et fin du buzz. Fin du buzz. C'était bien du collège? Bah, on m'a dit qu'il fallait que tu partes, quoi. Donc, puis, tu es un mec qui répond au prof, moi, mec. Yo, qu'est-ce qu'il y a? Toutes les semaines, je prenais un râteau. Mais déterminé. Cette meuf, elle adorait Evanescence, tu sais, un peu, genre, un peu punk et tout. Je suis allé au marché de Saint-Ouen, j'ai pris des bracelets à pic. Et je suis revenu chaque semaine. Non, en fait, mais... Ouais. Mec, c'est trop mieux. À quel âge? 6ème, 5ème, 4ème. Pendant 3 ans. London Mid. En fait, je mentais, tu vois, par exemple, quand je te disais que je mentais, c'est que le premier truc sur lequel je mentais, c'est que j'ai jamais dit que je jouais aux jeux vidéo. Mais genre, jamais. Au ah, mais jamais. Ah, jamais. Genre, j'ai dit ça. Même en école de commerce, j'ai menti là-dessus. Un mec était venu me voir pour me dire, putain, mais je t'ai vu hier dans Game One. J'ai fait, oh, non, t'as dû tromper. Non. Non, trop pas. Non, c'est pas moi. Dégage. À ce point-là? Ah ouais, mais c'était malade, tu fais pas. Il me laissait quand je partais en vacances à la campagne. Avoir mon petit PC, je pouvais jouer à Football Manager. Tu jouais déjà à Football Manager? Bien sûr, c'est mon jeu de la rouge. Bon, en fait, j'allais à la campagne, il n'y avait pas internet. Du coup. Il y avait du local, quoi. Ah, putain. Ça me fait battre le cœur. T'as fait monter quoi comme équipe? Oh, plein, des petites DK, des Loton, des... C'était trop bien, tu faisais des trucs de fou. C'était trop cool. Spécialiste. Non, c'est toi là. Allez, je veux bien. Il est dégoûté. À vous, ça fait un peu la pression de goûter, parce que t'es là, oui, bah oui, c'est bon. C'est toujours le... Tu te mets mal? Tu veux pas? Je suis pas bien. Je veux partir. Non, c'est chiant. Ouais, on a un peu bossé le... Bah, tu m'as dit que t'aimais bien. Très bon. Toujours la même réaction, quoi qu'il arrive. Cette assiette est magnifique. Attendez, regardez juste comme ça. C'est quoi? Je sais pas. J'avais pas vu que c'était des coquillages. Je les mange. Non, toi qui es. Mais attends, mais oui, mais ça, c'est. Tu vois, c'est des poissons, ça. Oui, ils ont fait un truc un peu de la mer et tout. Moi, je veux bien goûter le coquillage. Ah bah tiens, avec plaisir. Tiens, je te le mets là. Ah, c'est pas mal. Tu te régales là. Non, mais c'est de la. Ah ouais, c'est quoi? Ah ouais. Magret canard. Non, mais le truc. Magret. Oh, non, mais... De canard. Ça là? Magret. En fait, c'est beau, ouais. Tu veux me mettre comme ça, sinon je tombe. Jamais. Ouais, t'es obligé d'être sur le côté, ouais. Je suis bien. T'es ok, ouais. Tu me dis, hein, mec, sinon je vais te chercher un. Toujours bien quand je suis avec toi. Un coup, c'est vrai? Ouais. Mais tu sais, mec, tu m'as toujours. T'es une des rares personnes, non pas rares personnes, mais t'es une des personnes qui m'a soutenu depuis
toujours, mais j'ai jamais trop compris en vrai. Ah ouais, merde. Enfin, c'est gentil, tu vois. Non, mais j'ai jamais trop compris. Je suis amoureux. Je te le dis, j'ai quitté ma meuf hier, c'est pour toi. Ah, ok. Donc, tu veux un coquillage? Non. Même les gens qui me suivaient, bah, tu sais, d'avoir un point de repère un peu, tu vois, de ah bah je t'ai vu le lundi dans Béline, oh le dimanche soir sur NRJ, c'est trop bien. Et ensuite, bah, je joue rien à mid. Tu vois, genre. Après, je feed au mid. Tu sais, c'est genre, c'était particulier un peu quoi. Le café Miniardis, c'est un café gourmand, j'imagine. Moi, je vais prendre ça. J'aime bien les cafés gourmands. Ouais, s'il vous plaît. T'as demandé ce qu'il y avait dans le café gourmand? Absolument pas, moi j'aime bien les surprises, mais vas-y, demande. Ah. Je me bouche les oreilles. Il y a quoi du coup? Pardon. J'ai entendu par contre. Ouais, je vais prendre ça en vrai. Deux cafés gourmands? Ouais, s'il vous plaît. Alors toi, typiquement, c'est complètement improbable que tu sois giga populaire en primaire, en mode j'ai mes copines, mes machins, mes trucs, et t'arrives au collège et en fait t'es une petite merde. Tu vois, loser! Tu vois, c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est Link aussi qui m'a dit par exemple que Link m'a expliqué qu'il a passé le pire lycée de sa vie. Genre le lycée, il m'a dit c'était naze, genre c'est fâcheux. Alors que toi, tu vois, t'as gagné des LAN, quoi. C'est quand même assez énorme. Quoi. C'est autre chose, quoi. Non, bah, c'est énorme, tu vois. Un vide artiste. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qui a fait la transi? Donc après ton bac, t'es parti en Angleterre. Je suis chaud à l'épicer, je reviens. Bien sûr, mec. Bien sûr. Bonsoir. Et du coup, tu es sous notre aile. Bienvenue, mon boss. Tu es avec nous maintenant. J'ai une question, je demande à Théo. En vrai. Ah, c'est le boss. Hein. Il commence à en avoir marre. Ça faisait 3 ans. Non, je lui ai demandé. Non, ça va. Moi, je lui ai dit si t'en as plein de plus, dis-moi. Non, mais. Si, bah, repose-lui une question. Ok. Une petite question là, un vendredi soir. Excuse-moi, le câble HDMI. Rien à foutre. On va tester. Non. Si, si. Il va détester. Man. Attends, je vais juste vous dire quelle question je peux lui poser, genre trop chiant. Un truc je sur la connectique, mec, t'aurais pas une solution pour le bitrate Yo, mec, t'aurais pas une solution. Non, mais c'est le boss, hein. Le bitrate. Tellement. Il vient me détester, gros. Oui. Non, ça va. Non, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui le prennent pour un SAV. Mais il est gentil. Ah ouais, non, je vais pas lui envoyer alors. Bah si, vas-y, peux-toi tester. On est des prankers. C'est dingue ce soir. Des devs qu'on avait, c'était des potes de Théo qui sortaient d'école, c'était des petits cracks et tout, donc trop bien. Théo, c'est un crack. Ouais. Théo est genre. Du coup, ses potes, j'imagine que. Ouais. Oui. Théo, c'est. C'est le bon. Après, il y a les autres cracks. Moi, j'aime bien. Moi, ma vie, c'est football manager. Je scout et je m'entoure des mecs très forts. Moi, je play. Je play. En fait. C'est qui est très fort, bienvenue. T'as été 4 étoiles et demie, félicitations. T'es milieu central. Salut, mercato. Cette idée où je commence à pitcher à Webedia, comme j'ai des contacts, je me suis dit, vas-y. Moi, honnêtement, c'est mon but, je m'en cache pas. Hein, c'est, genre, je suis en mode, bah, je connais les mecs. Organisez-moi. Pardon, tu veux. Organisez-moi un rendez-vous, je pitch le projet et on va voir. Et donc, du coup, t'es super chaud parce que. C'est pas facile. Non, vas-y, ça m'a saoulé, on va bouger. Je suis en train de pitcher. T'es en train de pitcher en fait. C'est marrant parce que. On arrive à l'appartement. Je vais manger un petit peu moi. Ouais, complètement. Code bisou, donnez de la voix. Et un petit attaqué, même sans voix. Non mais pardon, ça m'a perdu, je suis désolé. C'est évident, c'est aujourd'hui que j'exprime. Non mais c'est le moment d'en parler quoi. Sans voix, j'ai trop de mal en plus. Je suis en festival. Tu sais, quand tu croises un pote, t'es genre dans une soirée ou quoi. Tu deviens quoi, toi? Je suis de plus en plus sur le côté. Je vais terminer là-bas. Ouais, je te disais, du coup. La naine, non mais il saute, la naine. C'est quoi, vas-y, raconte. Il n'y aura pas. Raconte, on a fait que des sujets hyper sérieux, là. C'est vrai. Alors là, ça va mettre une ambiance. Ça va pas mettre une sale ambiance, mais faut.
Parfois, quand ça me fait pas rien, je rigole pas du tout. Ça va être comme si rien. Super. Ouais, c'était très bon. Mais là, je voulais juste vous raconter une blague, en fait. Non. Non, vraiment pas. Ok. Non, vraiment pas. Ah non, mais mec, c'est pas une blague commune. Genre, c'est pas en mode, c'est l'histoire de deux mecs et qu'est-ce qui arrive. Ça. Ouais, j'ai bien c'est compris que... Un petit bijou et on voit pour la nana. On voit. La petite Isara. Bon, c'est ça. Alors, guide, faut faire quoi? Pas mal. Ouais, ouais, ça fait penser au Jägermeister, si tu connais. Un peu, ouais. Ça fait vachement penser au Jägermeister, pour le coup. Ouais, je te rejoins tout à fait, mec. Tu me rejoins enfin, là, si tu veux, je suis juste on est sur un Jäger. Je suis juste en train de te rejoindre. Tu me rejoins sur un Jäger. Hier, j'ai stream 6 heures un jeu qui s'appelle Hollow Knight. Ouais, je dois t'entendre, tu vois. Voilà, j'ai juste passé 6 heures sur un boss. Voilà, oh putain. Que j'ai battu. Ok. Mais parce que j'ai vu un moment, j'ai cliqué sur ton stream et t'as sûr. Perdu 3 vies d'un coup. Et je me suis barré. Non, mais... Merci de ton soutien, frère. C'est cool. Mais... Si je peux te donner de la force, non, moi, je suis là à dire. En vrai, si tu veux des news par rapport à ça, je l'ai battu. Non, mais dès que. Le boss est mort, le boss est mort. Putain, je me suis connecté peut-être un peu trop tôt au final. Voilà. Non, mais j'avais pas l'heure, j'ai pas eu le timing. Non, mais j'ai mis 5 heures à le tuer. Et pouvoir vivre ce genre d'émotion, ce genre de. Et c'est unique, hein, tu vois. Enfin, même nous, les streamers. Tu veux dire l'émotion de gagner quelque chose. Ouais, de gagner ou même d'être encouragé et soutenu, ah, tu oui, vois ce que je veux dire. Et du coup, quand t'es soutenu et que tu gagnes quelque chose avec ton soutien, c'est un truc qui est genre indescriptible de... Tu sais, genre ça te fait les frissons, quoi, de... Je pense que ça ressemble un peu à un concert ou entre les chansons, voilà. Les gens sont en mode... Exactement. Ouais, tu vois, genre, je pense si... Par après, exemple... moi, j'ai jamais rien gagné, du coup, je sais pas, mais ouais, j'ai rien, non. Ça a l'air... Ouais, voilà, mais c'est bien. Enfin, ça a l'air... De loin, quoi. De visu, tu vois. Moi, enfin, j'ai déjà été dans la foule à soutenir, mais... jamais. Si, à un moment, c'est vrai que je suis monté une fois sur scène, mais bon, j'ai été... Une fois au chalet, mais... C'est ouf, là, il y a des gens, mais je vais aller pisser très rapidement. Moi aussi, j'ai envie de pisser. Je pisse tout le temps, c'est trop chiant. Moi aussi. Ah, putain. Chantez. Qui va y aller en premier? Oh, toi. Ah ouais? Moi, je suis allé avant, si tu veux. T'as très envie, toi? Pas mal. Ah ouais? Pas mal, mais... Parce que moi, j'y suis toujours pas allé, j'ai pas mal envie aussi. Bah vas-y, ça serait normal. Ok. Enfin, moi, il y aurait aucun souci à ce que tu y ailles, quoi. Ok, histoire. Enfin, c'était l'os de l'émission et tout, enfin, c'est un plaisir de te voir y aller. Mec, c'est énorme ce que tu m'offres. Bah vas-y, quoi. Mec, c'est je vais y aller. Bah ok, super. Bye. Du coup, j'y vais. Eh, c'est un plaisir que tu y ailles. Je te fais... Profite. Je te laisse avec Francis. Bah écoutez, ça me fait plaisir qu'il soit enfin cassé, ce con. Parce que je cherchais juste à récupérer l'audience là pour lancer ma petite émission tous les mardis, voilà, c'est Popcorn. Bah tu vois, avec les gens, enfin c'était une chance de ouf, que ça soit Bean, que ce soit Énergie. En vrai, j'ai 25 ans, j'ai eu de la chance de faire, oui, c'est d'avoir mon émission à la télé, mon émission... Je t'ai foutu. Ciao mec. Mais non, je suis là. Non, mais je suis ouais, là. Je te disais, du non, coup... Non, ouais, bah, ouais, dis-moi. Non, mais c'est Katana XP. Ouais, non, mais je suis De toute façon, là, on va peut-être aller dehors à zap. Ouais, je me sens. Et là, je suis à moins 10. Ouais, je suis en fait, pas, on va perdre la connexion dès qu'on va sortir. Ok. Non. Il m'a regardé, ça l'a pas du tout fait rire. Mais non. Non, mais. Ça l'a pas du tout. Me mets pas en stress. J'avais oublié la réponse de Théo. Oh, Clément, il a répondu. PTDR, j'aimerais bien t'aider, mon ami, et pas du tout. Je connais ultra mal la techno, j'ai utilisé une fois. Je vais lui dire. Ah ouais, t'es naze en fait. Voilà, c'est pas parfait. Donc, ça met des cœurs. Ah écoute, ça rend sens de non, j'ai dit un truc gentil parce que je passe un bon moment. C'est cool. Bah ouais, c'est le principe. Vous voulez voir autre chose ou pas? Je pense que. Je pense qu'on est pas mal. Ça c'est cool, c'est une blague de la nana en sortant. Putain, c'est beau. Hein. Ouais. Ouais, c'est fort. Ah, mais par contre, on rigole, mais oui. C'est fort. Ah là, c'est une ambiance de malade. Hein. non, mais tu crées live. Oui, non, mais. Moi, je suis chaud. Vas-y, on y va. Ok. Bonne soirée. Au merci au beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci à vous. Pour la naine, on va devoir s'installer ici. Ah, ok. Ouais. Ah, il y a une ambiance. Il y a une ambiance à la naine. Okay. Messieurs, dames, c'est la naine. Attention. On le vit qu'une seule fois. Juste à côté des poubes. Ouais. Ah, la naine, les poubes, c'est à peu près même ambiance. Ouais, j'ai fait nimp. Ouais. tu t'es étiré ou pas les adducteurs? Ouais. Et tire-toi les adducteurs, au moins pour ça. PA, ici, entre mes mains, tu as une naine. Ok. Donc une naine, c'est quoi? C'est une personne de petite taille. Et là, je la tiens entre mes mains. Ok. Tu vas me montrer avec ton doigt, juste en m'indiquant, où est-ce que sont ses pieds? Bah là. C'est très bien vu de ta part. Merci. C'est très bien vu. Ah, pour le moment, c'est un sans faute. Je me suis dit, ça doit être là, c'est quoi. Propre, ça. Ok, c'est propre. D'accord. Cool. Sa tête.
Bah, je pense ici. C'est propre. Putain, pour le moment, ça sent pas. Je suis bien, je l'aime. Son vagin. Son vagin, je pense, ici. C'est un peu plus bas, mais c'est propre. Dépend, je... ça c'est fait propre. Longtemps que je n'ai pas vu une naine porter comme ça. On n'en voit pas tous les jours, je suis d'accord. Ici, je dirais. Okay, ouais. C'est propre. Maintenant, tu fermes les yeux. T'inquiète, il n'y a pas de feinte machin bidule. Ferme vraiment les yeux je parce que. Tu veux me faire claquer. Non, alors absolument pas. Okay, il y a vraiment, je te jure, 100%, crois-moi. Je retourne la naine. Donc, je la mets dans l'autre sens. À partir de maintenant, et triche pas. Ok. Hein? Tu vas, parce que joueur de poker, tout ça, on connaît. Yeux fermés, okay. Je sais pas ce qui va se passer. Maintenant, tu me montres, t'essayes en tout cas de me montrer en gardant les yeux fermés, où est-ce que sont les pieds de la naine. Tu l'as inversé? Je l'ai inversé, mon pote. Elle a la tête en bas là. Ouais. Ouah. Elle galère un peu, j'avoue. Ok, fais gaffe, je vais me dépêcher pour pas qu'il y ait trop de sang. Bah. Alors, en vrai, c'est un peu plus haut. Ouais, je sais pas où. Attends, t'en abuses pas, ouais. C'est ton un peu plus haut, un peu plus haut. Un peu plus. Là c'est... On va dire que c'est là. Okay, exactement. Okay, voilà, oui. Tête. Ouais. Non, pied, du coup. Ouais, pied. Maintenant, donc, tu vas me dire où tête. Est la tête. C'est plutôt propre. Et maintenant, tu vas me dire où est le vagin. Là. J'étais sûr. Ah, tu savais? Non, mais je me suis dit, ça va être louche. Ça va être louche. Il y a quelqu'un ici. Ça va être louche. Ça va être louche. Je comprends pourquoi il faut s'éloigner un peu. C'est vrai que... C'est... Ouais, un mot de la fin. Un mot. Ah, mec, ça me panique de ouf. Ça me panique de ouf. C'est le dernier mot de la fin. Non, t'as un mot? Isora. Ah, c'était quoi? C'était mieux, ça me panique. C'était sûr, ça me panique. C'était quoi, c'était le vieux truc. Enfin, pas le vieux truc, l'alcool basque. Ah oui, l'alcool, Isora. On va se terminer, évidemment, sur Isora. Oh, ça fait plaisir de se terminer. sur Isora, ça fait plaisir. Bisous, Isora. À bientôt. On se rendez-vous très bientôt. Merci pour tout. Salut.